Bonsoir Jean-Jean, j'allais dire bonjour mais là c'est le soir et j'ai pas envie de faire une intro totalement absurde, ce qui est maintenant le cas, elle est totalement absurde. On se retrouve pour le playthrough sur Infamous que j'avais prévu. Je suis dans un état psychologique totalement atteint, totalement déplorable. Et Call of, ça me saoulait, je me suis dit allez là faut le faire, faut commencer. Commencez à vous faire cette petite partie, j'espère que vous allez forcément apprécier ce jeu. Ah, vous voyez un jeu, un joli petit. C'est pas un panorama, c'est une jolie petite vue. Et vous voyez, appuyez sur Start. Pourquoi j'ai pas encore appuyé sur Start? Parce que l'action commence tout de suite. Donc, je vous mettais en place, voilà. Je vais dire le petit suspense pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du tout. Tous les abonnés qui connaîtront le jeu, qui sont en train d'y jouer peut-être en ce moment. Allez savoir, allez savoir. Peut-être des nouveaux abonnés, hein, des gens qui verront cette vidéo, qui se diront, tiens, je m'abonne, il est cool. Ce sera pas le sujet là. Je vais appuyer sur Start, je vais vous laisser savourer plus ou moins la cinématique d'introduction. Si tes fenêtres internet s'ouvrent publicitaires, ça va pas le faire. Je vous laisse apprécier. De toute façon, je vous quitte pas. Voilà. Ça commence tout Respiration simplement. Plus 6 minutes. Poule 45. Respiration 10. Ça va aller, cool. Ça va aller, cool. Excusez-moi. Voilà, le jeu qui s'est passé commence comme cela. Je vais baisser le son de la télé. J'ai peur que vous l'entendiez dans le micro. Oh, bon sang. La ville d'Empire City a fait boum. Et là. Et là, nous, Cole, apparemment. Vous avez entendu cette voix, j'espère. Quelqu'un est vivant là-dedans. On se retrouve là. Hey, faites signe si vous m'entendez. On vous disait que c'est habituel au début des jeux. Oui, si vous pouvez marcher, sortez de là. Allez vers le pont. À gauche. Hey, vous, dans le garage. On voit une ombre, on voit une petite ombre, j'espère. Là, on l'a vu. Tout est en train de s'effondrer. Ah, ça me fait plaisir de rejouer à ce jeu, ça faisait longtemps. Fonce. Et fonce Cole, fonce. Alors là, wow, se retrouve au milieu de ce cratère. Wow. Wow. Oui, excusez-moi, je savoure. Je savoure de retrouver le vieux. Ça faisait tellement longtemps. Cole, t'es là mon vieux. Allez mec, réponds. Bon, on a un téléphone sur, nous normalement, je crois. Je crois qu'il y a eu une explosion. Tu m'étonnes que ça a explosé. À la télé. C'est pas cool ça, les terroristes. Rejoins-moi au pont Fremont. Il faut récupérer Trish et trouver un coin pour se planquer. Bon, on se voit là-bas. Comme vous voyez, c'est le bordel. C'est ça qui. Oui, il a pas l'air bien cool. Ça va ou quoi? Oh putain, il tire la gueule. Un truc de fou. Imaginez aussi, vous vous réveillez là-dedans. Hein, déjà, il y a des voitures qui m'ont pété la gueule. D'ailleurs, on va monter sur celle-là. On passe. Bam! Bon. Vous devinerez rapidement quel pouvoir Cole va choper. Je devrais être mort. Eh oui, tu devrais être mort. Le jeu est beau, mais comment dire. Je savoure là, Oh, peut-être pas sérieux là, je suis pas mort. Comment dire. Le jeu est beau, mais il est vieux. Ça va se sentir au niveau surtout des visages. Là. Ah là 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 là. Oh, c'est le bordel, c'est le bordel. Imaginez. Moi j'avais une petite ville, de Boulogne qui, pèterait comme ça, non, c'est moins le bordel, mais une grosse ville là, ouais. Imaginez-vous à sa place, je vais savourer, ce sera mes impressions. Et tout ce que, de toute façon c'est un peu, c'est fait pour, partager mon amusement. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu comprends que dalle ce qui t'arrive. Moi je sais ce qui t'arrive. Petit peu, je me souviens. Si vous pouvez marcher, passez par les sauts qu'il fait. Le mec il vient de se réveiller, mais il y en a cratère. Il saute, mais regarde, excuse, sans, mais la détente quoi. Est-ce que t'as une détente comme ça? Moi non.
Là vous me direz mais non. Je sais pas encore combien de temps la vidéo durera, je ferai des coupures ou je ne sais pas. Et là on voit que c'est... Il s'en prend plein. Le flic derrière par contre totalement rien à battre. Je veux pas casser le côté épique mais quand même. Bam. Oh putain. Et là faut courir. Là vaut mieux courir quoi ça. Oh l'hélico. Oh. Si je regarde derrière. Wouhou. Wouhou. Oh, quoi. Excusez-moi mais je suis fatigué mais je suis... Fais ça c'est pour par peur plaisir. Et là mais c'est la misère, on est déjà mort. Mais non, c'est la mode, dans le jeu on meurt dès le début mais c'est pas mort en fait. Il fait genre. Et un petit truc que j'aimais dans ce jeu c'est les cinématiques. Un style bien sympa. Je vous les laisse sans trop parler pour vous compreniez l'histoire. Tout simplement. Voilà. Pendant tout ce temps où j'ai perdu connaissance, je pouvais presque, comment dire, entendre les supplications des mourants. Des innocents écrasés sous les décombres d'immeubles ou brûlés vifs dans les flammes. J'aime ça. Enfin, j'aime ça. Trish a perdu sa sœur. J'aime le dessin. Et a failli me perdre. Zek est resté à mes côtés, persuadé que j'allais enfin me réveiller. Alors que dehors, la ville tombait en ruine. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols, le suicide de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. À présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouiller dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burnes d'affronter tous ces groupes. C'est cru. Ils ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. Mais à l'intérieur, quelque part en moi, une force. Mais quelle épicness totale. Ouais, moi j'adore, franchement. Je dois dire que je n'avais personne à qui en parler. J'ai découvert le jeu. Aucun expert à consulter. Je me taire. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ouais, j'ai fait ça. Voilà, j'ai découvert ce jeu, je sais pas, j'étais captivé et là je le reçus. J'espère pouvoir vous captiver vous aussi, c'est le but. 14e jour de quarantaine. Ah ouais, 2 semaines. Oh, il a dû rester un moment à l'hôpital quand même. Là on est sur le toit, normal. Tranquille. Tu voulais pas regarder la télé? Ah, les batteries sont mortes. Et si tu mettais tes talents bizarroïdes en profit? Avec plaisir. C'est les enfoirés ce soir. Il va falloir toutes les recharger. Autant jouer à la play. Bon, désolé. Donc triangle. Oui, donc totalement captivé par ce jeu, je sais pas, j'espère vous captiver aussi, ça fait 3 fois que je le dis peut-être, mais c'est ça. Quel Jackie, Zek. Zek, hein, je crois. Zek. Quel Jackie, regarde lui, il y a un magazine sur les pizzas. La pizza. Non, c'est pas des pizzas. Eh, grouille-toi, mon vieux. Mais ta gueule. On va rater le meilleur. Oh. Tu me parles pas comme ça, mais je crois que c'est... Tu peux me coincer dès le début. Ah, oh, j'espère qu'il y aura aucun bug de VR parce que je recommence pas. Bon boulot, mon vieux. Télémarche. Oh, la télé. Bizarre. Je me sens Goldman, Limetis. Non, c'est pas ouais. Limetis, hein. Tiens, essaye de griller ces mannequins. Genre. Avec tous les tordus qui traînent par ici, ce serait bien de voir ce que t'as dans le ventre. Les mannequins. Oh ouais. Yo. Mais quel Jackie, tais-toi. Attends, est-ce qu'il y a un moyen de mettre les sous-titres? Option. Sous-titres. On va mettre les sous-titres parce que comme ça, vous le verrez mieux et je pourrai parler quand je veux. Yeah. Wouhou. Wouhou. Vive les sous-titres. T'es pas mort toi, tiens, quickscope, ah, trichot, ah, quad feed. Merde, il en reste. Il en reste. Observez. Bon, quoi. Oh. Ah oui. T'as vu ça? Il volait bas, j'ai bien cru qu'il allait s'écraser sur nous. Mais non. Bon, vous aurez remarqué, j'ai des pouvoirs électriques, hein, totalement épique, totalement hey, abusé. C'est le mec de la télé. Oh, j'adore ce type. C'est pas le mec de la radio, c'est le mec de la télé. Pardon, excusez-moi. Je parle pas parce que il y a pas de sous-titres. Il y a à manger à Archer Square. Excusez-moi, j'ai d'ailleurs une remontée. Je vais boire un peu d'eau. M'excuserai. L'eau pétillante. Les faucheurs, oh.
ce métal. Non. Hein, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Mais t'as perdu la tête, mon vieux. Tu crois vraiment que ces bureaucrates se soucient de nous? Ces bureaucrates, coucou toi, et tu me parles de... Il se tombe pas. Coucou. Le mec, comment il court, quoi. Affirmatif. J'aime bien, il est charismatique comme personnage. Tu prends les escaliers. Coupe de cheveux, peut-être, ça lui ferait pas de mal, mais... L'ascenseur express. Ah non, c'est toujours les mêmes qui s'amusent. Ascenseur. Observez. Ouais, l'ascenseur express, tu sautes du toit, normal. Par contre, l'eau pétillante, c'est peut-être pas le mieux, je risque de rôter. Vous m'excuserez. Il y a des gens par terre. Enfin, par terre, oui, normal. Vas-y. Bah oui, j'y vais, tiens. Allez, bam. Oh, je t'ai sauté sur les pieds. Ça me plaît. Bah oui, moi aussi. Pas ça va. Oh, quel saut, mon vieux. Incroyable. Ouais, c'est un vieux jeu, hein, ça se sent. Au niveau des... C'est vraiment crevant, hein. Des PNJ, je crois qu'on peut appeler ça. Des... Hey, attends. Avant qu'on aille à Arthur Square, faut que j'accupère un autre flingue. Waouh. Oh, on c'est reparti. Non, c'était génial. Voilà. Et ça, c'est bon dans les jeux. C'est une ville ouverte. Coucou, toi. Ah oui, ils vont tous chercher à manger. T'aurais dû voir ta tête. J'aurais raté ça pour rien au monde. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dans son sac. Ma main a failli y rester. C'est pour ça que tu toucheras pas. Attention, les gens. Je l'ai échangé contre une de mes piles artisanales. Mais il est gros, sec. Qui explose quand je dis ça, je dis rien, je suis désolé. Je ne fais que constater, mais il est gros. Je vais peut-être pas parler énormément, mais. Bouge. Allez, en capuche. D'une pizza. Oh ouais, moi aussi, tu peux pas savoir, j'ai mangé des pâtes ce soir. Au pepperoni. Oh ouais. Bien, oh ouais. Eh ouais, je suis à la dèche, une bonne paye. Je n'ai plus vite qui part. Moi, je me contenterai d'eau chaude. Wow. Un bon bain. Hey, tu te souviens quand on rentrait de chez Duffy et que j'ai eu une envie pressante et que ce flic à bouton me criait de lever les mains? Oh, pardon. Je l'ai poussé. Ouais, tu l'as arrosé. Il m'avait demandé de lever les mains et pendant qu'il gigotait, on en a profité pour se casser. Ils ont de l'endurance, hein. Parler. Par contre, ils ont une excellent. Vie palpitante, hein. Oui, excellent. Dire. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un cordon de flic. C'est ce que je dis. Excellent. J'aime bien ça, excellent. C'est peut-être un Jackie. Ah, ça j'adore quand t'es dans l'eau. Yaha. Attends-moi. Un petit génie a inventé une nouvelle voiture. Attendez, mais j'étais. T'as vu dans l'eau, c'est trop stylé. Ouais, les effets électriques sont tellement jolis. Il y avait un truc là. Ouais, on fait du bruit quand on court, hein. Ah bon sang. Il devait le laisser sous une voiture. Du coup, je m'imaginais qu'il y en aurait qu'une. Ah bah. On le trouvera jamais. Ah bah. Recule. J'ai une idée. Excuse, recule quoi. L1 et croix. L1 et croix. Oh, on va, oh, quelle puissance, mais quelle puissance, les amis! Je vais devenir le grand des héros. Ha ha ha, capturez-les tous. J'ai senti cette énergie. Eh, mon vieux, t'as pas l'air bien. Bah non, étonne. Je suis crevé, toi. Tu fumes n'importe quoi. Attends un peu. Attends un peu, je suis dark. Oh, il est pas très dark là, il est plus en mode. Mon précieux. Pardon. L3. Ah, le pad. Oui. L2. L2. Oh, ça c'est la classe. Wouah, mon vieux, t'es une vraie pile ambulante. Ouais, bah. Il faut sûrement que tu te recharges à chaque fois que tu donnes une décharge. Oh, je peux sentir l'électricité monter en moi. Ouh, beau gosse. C'est presque comme si elle me soignait. J'aime ça. Oh, wow. Excusez-moi. C'est du lourd, mec. Allez, viens. Certains, ça va déranger, ils auront déjà fait pause à la vidéo, quitter, mais mis indice. Cole, tu es là? Salut. T'as entendu pour la nourriture? Ouais, Zek et moi on y va. Bah oui, on a faim. Comment tu te sens? Oh, poteau, j'ai failli me cogner. J'ai baissé la tête de peur. Avant, je pouvais à peine allumer une ampoule, et maintenant je saute des immeubles et je fais griller des ordures sur le toit. Pas intéressant que les autres là. Eh, les autres ils vont par là. À quoi tu pensais? Je te suis. Relax, je vais bien. Relax, tranquille. Sois prudent. Triche? Après ce qui est arrivé à c'est pourri comme nom, triche. Je pourrais pas. Ouais. Mais c'est tellement on pété. Et avec de la chance, imaginez. S'il se plaît, vous plaît. Allez. Imaginons. Mais pourquoi on va pas dans la direction que. Non, toi t'es paumé, mais t'as pas su prendre la nourriture. Hein. Attends-moi, Zek. Qu'est-ce que j'ai à dire? Si ces vidéos vous plaisent, imaginons que j'aille jusqu'au bout du jeu. Ce qui est mon but. Hein. Ce qui risque d'être long. Mais moi, j'ai marché sur quelqu'un. Il a pas être allongé par terre dans la rue, je suis désolé. C'est peut-être une petite catastrophe dans la ville qu'on ne sait même pas ce que c'est. Hein. C'est peut-être moi. Je sais pas. J'étais au milieu du cratère, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé. On m'a dit tout va bien, tout va bien. Oh pas merde, c'est coincé là-haut. Désolé de te dire ça, mon vieux, mais t'es bien le seul mec capable de faire c'est ça. C'est pas dans la vraie vie qu'on me dirait ça. Il va falloir que tu montes là-haut pour décoincer ce truc. Ah oui, il me semble qu'il y avait une épidémie. J'ai vu un mec avec un masque. C'est peut-être pour ça qu'on est en quarantaine aussi. Et à cause de ça.
Oh, les musiques aussi du son. Et je fais quoi? Oui, bah oui, bah, je suppose, ouais. Intuitif, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu sautes, tu grimpes. Pas compliqué, aïe. Rendre ça dans la vraie vie, je suis désolé, c'est pas facile. Hop là, je saute. Tranquille, quoi, allez. Je suppose que je passe par là, je prends mes souvenirs, oui. Eh hey non. Si, bah si. Bah oui. Ouais, il est pas trop en angle. Un salon quoi pour grimper quoi. Enfin je dis ça peut-être parce que je suis pas un pro de l'escalade. Oh putain, j'adore pouvoir tout balader partout comme ça. Encore là c'est. On me dit ce que je dois faire. Oh. Métal rouillé se désintègre parce qu'il est soumis à une explosion électrique. Hein, trouver quelque chose à détruire en tirant dessus. Ta gueule toi. Pute. Pardon pour cette vulgarité. Oh cette boulette taille. Quel gros chat qui. Cool à manger. Pardon mais là désolé. Un gros porc comme ça se fait pas. Trop tard. Ouais. C'est là que je les ai vus. Ah. Oh là non. Ah, Archer, comme l'archer. C'est marqué. Archer quoi? Avant l'explosion, c'était juste une bande de marginaux et de dealers. C'est mal dealé. À présent, ils possèdent Neon District. Ouf. Oh la patate. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, on tourne. Mais ça va changer. Oh, excuse, j'impose ma loi quoi. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. J'impose ma loi quoi. Et là je. Ah ouais. Appuyez sur carré après avoir sauté. Ah merde, il me tire dessus, t'es pas sérieux là. Bam. Allez, tiens. Tiens, allez. J'adore ça. Non, non, c'est ça. Mais dégage. C'est moi la brute. Allez, viens ici. Yeah. Merde, je suis raconté. Wouhouhou. Oh là là, comment je fais pour faire des roulades? Oh, oh ouais. Là, montrez-vous. Bande de lopettes, va. Hop là. Allez, mange. Oh, ça détend, bon Dieu. Call of, c'est tellement cool, mais lourd. Wouhou, tiens, allez. Il est où? Il y a un monsieur, là. Wouhou. Regarde ce que je vais lui mettre. Merde, j'ai... C'est pas grave. Il est mort, je crois. C'est l'heure de manger. Parce que je vois les sous-titres, hein, je connais pas encore plus par cœur. Manger. Assez pour nous nourrir tous les trois pendant des semaines, même plus. Oh, ça me va, hein. Si j'en fais retirer deux ou trois dans la foule, je parie que les autres fuiront. C'est là qu'on décide d'être méchant ou gentil. C'est une belle particularité du jeu. J'aurais pu en parler dès le début, je ne sais plus. Et moi, tu vois, je suis un bâtard, j'ai faim. Tiens, allez, mauvaise action, rien à foutre. J'ai faim. J'aurais dû me prendre à manger pour la vidéo. Parce qu'il est déjà 22h52. C'est pas cool ça. Important. Le karma. Mais quelle connerie. Enfin non, c'est cool. Ça dépend des. Alors, attendez, il faut que je le dise peut-être. Mais attends, le karma s'affiche. Mauvais mangeur. Ouais. S'affiche à un jauge bleu en rouge. Et rouge. Putain, je sais pas lire à la télé à 20 cm de ma tête. En haut à gauche. Et appuyez sur une touche. Ok. Ok, ouais, wow. Je connais le principe. Ça a pas été facile. Mais on aura de quoi manger pour un bon bout de temps. Laisse ça toi. Oh les éclairs rouges, c'est classe, ça c'est classe. Salut Trish. T'es malade. Bon. Les gens meurent de faim. Vous serez d'accord que sa copine elle est moche. Qu'ils aient vu depuis des jours. Je l'ai fait pour nous. Pour qu'on soit à l'abri du besoin. Des fois je te comprends pas. Ouais bah désolé. Les éclairs rouges, ça j'adore. Les éclairs rouges, j'adore. Oh là, je passe à la télé. On sent pas, merci tout. J'espère que vous entendez bien. En gros, il a fait le bâtard sans moi. J'ai peut-être été bâtard avec les gens, mais il a fait le bâtard. On vous a déjà traité de terroriste. Non. Tout ce dont j'arrive à me souvenir, c'est d'être allé au boulot. Ça les soirées. Voulu sauver ma peau. Ah, mais cette vidéo. Comment j'ai eu ce paquet. Ah bah c'est moi qui ai pété. Bah oui, je vais dire une bombe. En tout cas, les conséquences. Était bien là. Donc Trish, sa copine derrière, tout je pense que c'est sa sœur vécu, c'était du passé. Aucune parole, aucune émotion. J'adore, c'est trop dark. Elle est juste partie. Ouh, ça aussi c'est dark. J'adore ce dessin. Reconnaître. Ça allait mal se finir. Cette ambiance. Même Zek s'est mis à me regarder de travers. Je l'ai eu. Lui et moi, on s'est vite donné rendez-vous au Constantin. Je vais quitter la ville, en espérant qu'il se montre. En ce moment, je suis un petit peu à court d'amis. Oui, moi aussi. Non, j'ai des amis qui adorent. Oh, trop classe, cet éclair trop dark, zéro cascade. Tu
Je désolé pour moi, escalader ça, c'était une cascade, 500 points d'XP. Difficile. Je pense, ayant déjà fait le jeu, pour la vidéo, je vais pas me mettre en difficile. M'insulterez de ce que vous voulez. Non, pas en facile, je vais me mettre en moyen. Sinon, il y a des passages, je vais vouloir recommencer, je pense. Et c'est où le pont? Je vais mettre ça en ouais, en. Oh, c'était. Quoi? Quoi, je suis tout seul, mais t'es pas. Comment je fais pour me frapper? Dégage! Oh ouais, on mange! Aïe 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 aïe, on me frappe! Mais quoi? Mais. Mangez ça! Mais. Cassez-vous! Mais casse-toi, toi! J'ai pas visé. Tiens! Allez! Mais t'es pas sérieux qu'il me lance ces cailloux? C'est où le. Pont? Je suis presque arrivé au pont! Puisque tout le monde t'a dans le collimateur! Haha, j'ai pris ta batterie! Mais arrêtez! On me tire dessus, on me tire dessus, ça c'est moins bien! Pas de problème. Je veux surtout pas que tu t'énerves à cause de moi. Allez, à plus. Là en haut, là. Ouh la tête. En vrai. Le pont. Le pont. Là, c'est un radar en bas. Un radar, ouais, minimap, comme vous voulez. Par contre, il fait du bruit quand il court. Gros fat. Je fais ces vidéos, c'est pour me détendre. Si vous aimez pas, bah, regardez pas, c'est con. Si vous m'aimez bien, que vous faites l'effort, c'est gentil. Ah, mais si ça vous plaît, surtout faut me le dire dans les commentaires, c'est fait pour. Ça, c'est trop classe. Ça, là, t'es dark, tu vois. En plus, je crois que ça tue les gens quand ils rentrent dedans, tu vois. Ça. Trocutaille. Oh, par contre, il y a des gens qui m'emmerdent, je vais les buter. Donc là, j'escalade, oh là, oh là là. Ah, on me tire dessus. Ah, putain, comment l'esquive ici. Comment j'esquive, l'esquive, tout. Putain, mais. Coucou, toi. Je veux voir ma. J'ai rien dit. Mais montre-toi, mais montre-toi, mais t'es pas sérieux, tiens! Je vais le frapper. Coup de pied, aïe aïe! Ah ah, je récupère de la. Je crois que ça me récupère de la santé. Bim! Ah ah, t'es tombé! Ah 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 ah! Mais t'es pas sérieux! Ah ah, ça c'est pas bon! Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon! Oh, je t'ai ken! Comment? Pas de vie du tout en fait! Il est encore tombé. Ça les tue en fait quand il tombe, ça c'est cool! Ya, je vous rassure, on débloque d'autres pouvoirs que ces petits éclairs de Tarlouse. Coucou, oh, on va faire ça. Ya, bim, en 20. Oh, comment ils ont volé quoi. Attends, toi tu vas pas m'emmerder, d'accord. Ya, je martyrise le bouton. Et je tire même pas dessus. Je suis un peu concombre. Je peux me perdre des espaces totalement pourris. Tiens. Bon, c'est pas grave, on va faire une mission. J'espère que ça va pas me tirer dessus. Là. L'évasion, début de la mission. Oh, on va s'évader ici. Le pont Stanton, c'est le plus rapide pour quitter la ville. Ce sera pas une longue session, hein. Il me reste pas énormément de temps avant de devoir lâcher cet ordinateur. D'une façon ou d'une autre, suis-moi. Allez. Non, mais non, non, mais j'ai dit tu me suis. Et bah, oh, j'ai cru que ça allait écraser. Ah, excusez-moi, je m'excuse. Mais... Moi, je fais ces vidéos avec plaisir. C'est pour vous abonner, c'est pour. Ok, je suis caché. Oh, profond, je suis caché. Regagnez votre domicile. Vous serez. J'habite sur un toit. Il faut franchir ce cordon de flics anti-émeute pour sortir. Oh ouais. Si je fais retirer quelques flics depuis la foule, t'as un truc sur la tête. Ça va déclencher une émeute. Comme ça, Zek et moi, on aura la paix. Je suis un peu gogo. Bien entendu, ça veut dire aussi que beaucoup d'innocents vont y laisser. Innocents, ils avaient qu'à pas être là. Allez, dis. De toute façon, je suis un bâtard ou je suis pas un bâtard. Bim. Mauvaise action. Oh. Je suis vraiment désolé. Déjà 23 minutes. Tiens, dans le tas. Et bim, et bim, et bim. Et claque, et claque. Oh, toi, tu t'approches pas. Toi, mauvaise émeute. Allez, tu te faire foutre, je fais ce que je veux. Tiens, en coup de pied au cul. Oh, 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 et de deux. Oui, oh, gros flic est tombé dans le trou. Observe. Les dispositifs et les roches qui est pour un charger. Un coup de c'est moi qui vais te charger là. Youhouhou. Trop fort, j'ai ouvert la porte. Oh putain! Oh là, je tue des flics. Oh là là, j'aime ça. T'es mort, hein? Est-ce que t'es mort? Bim! Oh, la force. Tiens bon, vieux frère! On leur met une raclée. Vieux frère. Oula! Oula là! Il est armé, lui. Oh ouais! Je ne sais pas viser. Bim, ça fait rien. Tu vois, je te frappe. J'ai frappé à côté. Oh, tiens. Oh la double. Ah. On tire dessus.
coucou toi, coucou le flic. Oh, c'est cool ça, c'est quoi? Oh, pff, oh, je pouvais pas savoir. C'est vachement dangereux ce. Ah, comment je récupère la vie? Comment je récupère la vie? Non, non, c'est bon, je suis passé par là, tu vois, je suis un petit peu d'air. Je pouvais faire un truc avec elle. Hein. Ah, viser. Oh, d'accord, il y a une petite commande là en bas. Non, mais c'est dangereux. Oh, je suis accompli. Oh, le salto! C'est pas sérieux. Yeah! Il y a que sur moi qui tire, il tirerait pas sur les civils, quoi. Merde, merde, merde. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Mais sérieux, il est où? Il est où? Mais quoi? Là. Crève, connard. Oh putain, vraiment, j'étais pas en difficile en fait. C'est la misère ce jeu. Alors, c'est qui le patron? Y'a quoi derrière? Y'a encore des flics. Oh, est-ce que je peux shooter d'ici? Salopé. Yaaaaah! Et on fonce! J'avais déjà remarqué. Aïe 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 aïe. Oh la tête! On va remettre une tête là, je pense. Bim! J'ai dit headshot, bim! Bim! Bah non. Ah! 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 Y'a du monde! Oh, trop fort! Est-ce que vous savez tomber comme ça en arrière? Oh oh! Parce que tu te rates, t'as l'air con, tu tombes sur le cul, t'as de mal. Ah! Ah! Dangereux ça! Oh là! Oh là là! Oh là! J'ai tardé de me tirer dessus. Ah! 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 L'électricité est trop loin. Tu peux vraiment prendre dans n'importe quel objet électrique. Yeah! Et bim! Mange! Moi ça! On va pas dire autre chose. Attention, Zek! Je peux faire un truc? Oh, bim, je te la pète! Et bim, et je te pète la gueule! Allez, hein! Allez, dis! Vive la Belgique! Vive la Belgique! Et vive les Belges! Et... Ah putain! Là, je peux pas monter, là, je suppose. Bah non! Bah non! Cole, il peut pas tout faire, quoi! Le patron l'a demandé! Coucou, toi! Oh putain, il va m'en vouloir! Coucou! Alors, ma... Tiens, tiens, tiens et tiens. Il est où le deuxième? Shot. Mais rien à foutre, je suis invincible moi. Attends, je peux être ça, c'est... apparemment ça fait des points d'expérience. Oh, ils sont taqués là les gens. Y'a que Zek qui s'en fout. Ah si, il a un pistol Zek. Un petit gun. Y'a quoi derrière? Oh ouais, je me souviens. Et là ça va être totalement épique. Quelle cruauté. Et quelle violence. Le portail s'est ouvert sur un mur de barbelés et de mitrailleuses. Ah, ouf. Zek a filé droit devant lui. Il a défoncé l'entrée de l'unité de décontamination pour atterrir dans le port. J'ai couru à une vitesse hallucinante. J'ai été accueilli par du beau monde. Cet agent du FBI, Moya. Excusez-moi pour ce blanc. Elle avait vu ma vidéo au Grand Zero. Et elle attendait là pour voir si j'essaierais de m'échapper. Oh la tête! Elle savait pour mes pouvoirs. Canal Plus. Elle m'a expliqué qu'avant l'explosion, son mari John était en mission pour infiltrer les premiers fils. Un gang mystérieux qui travaille sur un projet d'une métasphère. Bon, j'en suis dans le commentaire, je pense que je ne recommencerai jamais cette vidéo. Neuroélectrique de plusieurs personnes afin de la concentrer dans un seul. J'ai pu oublier n'importe quoi. Peut-être un petit salut à toute personne qui regarde. Tout contact avec je connais dans la vraie vie, qui j'espère apprécieront. Malgré ses nombreuses relations, Moya avait perdu espoir. Il y a des sous-titres. Mais elle m'avait trouvé. Oh. Voyant en moi quelqu'un de confiance, elle m'a fait une offre. Je retourne en ville, je retrouve John et la métasphère, elle me sort de la zone de quarantaine j'aime et bien. Efface mon dossier. Ça me va. Cette histoire de métasphère, c'est sûrement des conneries. Mais comme je suis devenu une ampoule humaine, autant lui, c'est pas toi qui a fait le jeu, donc s'ils ont essayé de mettre une métasphère, t'as rien à dire. Alors là, on est sous le pont. À cause des émeutes, c'est le seul accès pour rejoindre. Oh ouais. Oh. Compte tenu de notre nouveau partenariat. Ouais, je suppose que si je tire là-dedans. La liberté d'isoler la fréquence de votre téléphone. Là-dedans. Oh ouais. J'ai verrouillé votre traceur GPS et je peux entendre. Attends, est-ce que c'est plus simple si je tire direct dans le bazar? Ouais, oh, tout voilà. Je sais pas si. Par contre, j'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit la madame. Je crois qu'elle me. Elle m'écoute, elle est. Non, je sais pas, j'ai vu les sous-titres sans faire tellement attention, parce que intention c'est pas pareil. Je vais pas vous faire des leçons de français, c'est pas moi le meilleur ici en français. Tiens, on me résiste pas. Tiens, dans le tas, voilà. Allez, mais est-ce que vous voyez faire ça? Oh putain, dans la vraie vie, je pense que je tombe dans l'eau, j'ai mal. Dans une petite flaque d'eau, ça fait rien, mais il me semble dans l'eau, je meurs, tu vois.
Yaha! Mais qu'est-ce qu'ils font sous un pont? Aïe aïe, j'arrive pas à tirer là-dessus. Pardon. Oh, des bidons. Bim! Crève! Je tire dessus, d'accord? Non, assistance à personne en danger, j'adore. Je suis tellement dark. Oh, c'est trop bien fait! Wouhou! Oh putain! Je vais éviter de mourir aussi dans ce truc, ce serait marrant en fait que je meure pas, tu vois. Alors si on pouvait ramasser les calaches, je crois que je me ferais un plaisir. Mais non, apparemment, ça explose dans ses mains, tu sais pas pourquoi. Métal conducteur d'électricité qui va allumer la poudre. Ça fait quoi ça? Oh, l'électricité. Voilà. Excuse, on fait du Mario. Oh! Oh putain! Ah, ça fait mal en plus. Attends. Yaha! J'ai cru que j'avais raté. Ange! Je peux pas marcher là-dessus? Ouais, non, en même temps, c'est fort. Cool. La pression de l'eau a baissé dans le réseau principal situé sous le pont. Artel? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les faucheurs ont détruit quelques conduites. Intéressant, on s'en fout, putain. Parce que le jeu, c'est pas rentrer chez moi. Ah, je suis sale dans le tas. Ouais, ça va vachement. Ah, coucou. Ah non, ça va pas si loin. Oh, il fait une danse, regarde, quand je tire. Les mouvements de la tête, j'espère que vous le verrez bien. Excusez-moi. Ah, je vais tomber. Oh, le réflexe. Oh, j'ai pas vu venir celle-là. Non, bah c'est bon. Pourquoi je suis tombé alors? Ah. Ah, la pression de l'eau a baissé, donc les tuyaux sont... Ouais, bah c'est bon, laisse-moi tranquille, j'ai compris que t'es pas ma mère. Merde, je l'avais oublié, vous deux. Que je vais te mettre dans le trou, toi. Ah! Putain, mais il se rattrape pas de tout, ça c'est bon aussi. Nye, je sais pas, mais je suis pas glissé, c'est pas possible. Voilà! Ah! C'est un truc de fou. Un truc de dingue. Ça va toi? Tranquille là-bas. Oh, tiens! Oh, j'aurais pas apprécié. Oh, le claquage. Oh. Ah! Oupla! Oupla! Ouba, ouba, pardon. C'est lui! Mars Pilan. Eh, il est encore vivant, lui, tranquille, cool, bien. Cole? Oh, bon sang! Content de te voir. Bon sang, qui dit bon sang? Oh. Vos actions font de vous une personne mauvaise. Oh. Très joli le coup de la grille, monsieur Bristou. Monsieur Bristou. J'ai survécu à la chute, mais ça a été plus dur de rejoindre la rive. Je suis loin d'être Michael Phelps. Michael Phelps. Est-ce que ouais, quelqu'un connaît Michael Phelps? Oh oh oh. Eh, hey, du calme, paratonnerre. Alors? Comment t'as fait pour survivre à ça, hein? Y'a eu des balles qui sifflaient dans tous les coins, j'ai bien cru que t'allais y rester. On rentre à la maison. Je te raconterai en chemin. Oh, comme ça on n'a pas se retapé tout le dialogue une deuxième fois, tu vois, en mode. Oh, parce que tous les hommes peuvent faire face à l'adversité. Et si vous voulez tester la capacité de quelqu'un, donnez-lui le pouvoir. Oh, c'était beau! Il s'appuie dans l'énergie neuroélectrique. Oh, je le savais! Oh, bon sang, j'avais raison sur toute la ligne! Le gouvernement est de mèche avec une organisation secrète! La métasphère! Ça y est, je comprends tout maintenant! Calme, tu vas te faire. Cette métasphère doit rendre plus fort tous ceux qui la contrôlent! Faut absolument que tu la ramènes. T'inquiète. Mais je pourrais faire appel à un complice. Oh. Non, oublie ça. Zek Jedediah Dunbar est son propre maître. Tu t'appelles Zek Jedediah? Oui, en l'honneur de mon grand-père. C'était un homme fort pour sa taille. Et j'ignore. Qu'est-ce qu'on se Zek, mais je suis désolé, c'est l'histoire est en train est très intéressante et complète dans le fait mousse. Excuse, je fais cramer mes doigts. Mais comment dire? On s'en fout qu'il s'appelle Zedaya à cause de son grand-père, enfin, on s'en va. J'ai déjà quelques pistes pour vous. Oh, j'ai une oreille de touche et quoi? Juste un portable sur le bide. Regarde, il y a un vieux portable. Pardon pour... Oh! Ouais, en gros, j'ai les XP, oui, je sais. Onde de choc. Oh. Coup de tonnerre. Ah, oh, ça va être chiant parce que je sais jamais quoi choisir. Ah, ça peut être intéressant parce que je meurs vite hein, dans le jeu de bras. Mêlée. Drainage électrique, ça fait quoi? Augmente la vitesse du drainage. Ça, limite, c'est pas encore. Oh, il y a un truc au fond. Lame gigawatt. Excuse. Ça fait quoi? Oh. Ah ouais. Non. Attendez, on va prendre un truc utile peut-être.
On va prendre les pouvoirs de base. Genre l'éclair, 400, ça coûte pas cher. Les ennemis peuvent déclencher une explosion électrique avant de mourir. Ouais, bah ouais, moi ça me va. Il me reste quoi, 900 points. Je vais peut-être prendre la résistance. Pardon. R2. Bah non, moi je fais avec les flèches. Oh d'accord, ok, on peut utiliser. Et il me reste 300 points, ce qui n'est suffisant pour rien. Ok, bon, c'est un peu amélioré, je pense. Et j'ai deux objectifs sur ma carte. Il est 23h, on va peut-être faire ces trois trucs, on va voir. Je saute là-bas, ouais. Je veux de la vie, je veux de l'électricité. Il y a un truc qui fait bip bip. Il y a un point bleu sur le radar quand je fais mes ondes, et il me semble me souvenir, et chose très intéressante, et qu'il faut savoir dès le début quand même. Là, il y a un truc bleu là, regardez. Je montre avec mon dos, mais vous me voyez pas. Ya! Non, mais là, par là. Oh, sérieux là? Oh, ouais, quand même. Par contre, tu te. Là, regardez. Là. Oh, oh ça, c'est fort. Attendez, on va passer quelques. Fragment trouvé. Ok, il y avait un truc bleu. Un fragment, et je crois. Et quand j'ai récupéré un certain nombre, ça augmente ma barre d'électricité à gauche. En haut à gauche. Il me semble bien. Mais elle est par là. Allez, 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 escalade. J'ai bugué. Je voulais peut-être aussi émettre le fait que j'avais peut-être trouvé un éditeur pour mon montage, chose qui pourrait être fort sympa de sa part. Peut-être qu'il regardera cette vidéo, peut-être qu'il s'est abonné à ma chaîne, peut-être qu'il va passer voir ma chaîne après que je lui ai envoyé un message. On me tire dessus. On me tire dessus. C'est pas comme Call of où t'as un tir là, 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 toi. Ya. Est-ce que t'exploses? Il a pas explosé. Ouh, chaîne vertigineuse. 10 points. 10 points d'expérience, c'est rien. On se croit dans code 4. Je suis tombé de haut. Oui. Allez, allez. Bon, c'est pas l'escalade à la Ezio Auditore, mais on apprécie toujours. Hein. On te donne des points et trouvez-en encore un pour avoir plus de. Alors qu'est-ce que ça me fait ça? Très bien. Et maintenant? J'aperçois de drôles d'interférences venant d'un toit pas très loin de vous. Je suppose c'est celui devant moi. Je suppose. Qu'est-ce que je dois chercher? J'en suis pas vraiment sûr. Pardon, mais là, franchement, sans doute. Appelez-moi quand vous. Un émetteur, sans doute, c'est con. Et bon, on va passer là. Là, il y avait un truc bleu. Oh ouais, j'ai l'œil. Oh. Allez. Non mais allez. Oh quelle précision. Et là je brille. Et là j'ai un éclair en plus, ça c'est la classe. Et j'ai le cul dans une bouteille. Ouais, c'est pas grave. On va mettre ça entre parenthèses. Yeah. Allez. Ouais, de toute façon là c'est le début du jeu, c'est peut-être pas très palpitant, mais. C'est comme moi quand j'ai commencé à regarder Skyrim de Bob Lennon. Skyrim au début je connaissais pas du tout le jeu, Ouais, je vais regarder, de toute façon Bob Lennon, je l'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai adoré cette vidéo. On dirait qu'un transmetteur ouais, bon, audio portable est relié à l'antenne parabolique. Voilà, il y a les dialogues, vous les voyez, vous pouvez ne pas m'écouter, vous pouvez... Non, j'ai pas envie, je parle d'abord, ensuite j'appuie sur triangle. Attends, petite gorgée d'eau, donc j'appuie sur triangle. Ça veut rien dire du tout. C'est un message crypté. Et je ne peux pas le décoder. Hein? Regardez dans le coin pour voir s'il y en a un autre. Et comment je fais? Gne, 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 gne. Ah oui, les arcs, des arcs de serre sur le mini radar. Quand je fais là, j'appuie sur L3, je charge l'électricité. Je vois aussi quoi d'autre? Les petites boules qui me donnent de l'électricité et enfin des barres. Oh, c'est haut. Franchement, c'est cool une ville ouverte comme ça. Et est-ce que je vous montre la carte? Je pense. En select, je suis trop fort. C'est pas qu'une petite île. Hein. C'est pas ça. Il y a aussi. Haha, il y a trois îles. Il y a quatre? Ah non. Trois îles. Et ça, c'est sympa. Ça varie. Et comment dire? Donc là, sur le radar, des arcs de cercle. Qui se font. Et. Bah, c'est par là. Bise. Ah, j'ai cru que je m'étais fait mal. Coucou. Wow. Dangereux, toi. Je sais pas si on peut se faire renverser, en fait. Je sais plus. Parce que je l'ai su un jour ou un autre. Oula, oula, mais ils sont fous les gens. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent sur les toits? Pas beau ça, les affiches. Allez, allez.
aller en... Est-ce que je passe là? En... Oh oui! Ah là je passe pas par contre. Là ça va être tendu, c'est pas... Non c'est nombre. Allez... Je sais pas comment il se passe le situé jour-nuit. Ah coucou, coucou. En... Ça va toi? Oh tête! J'ai la voix qui est bloquée parce que... Oula, 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 c'est par où, c'est par là. Yo! Vous m'excuserez mais je pousse beaucoup. Je suis dans le jeu. Il est où le monsieur? Il est où le monsieur? Il est là le monsieur? Il est au-dessus? D'ailleurs le monsieur, je sais même pas sûr ça, monsieur, il fait des drôles de bruit. Là il y a eu un autre drôle de bruit. On aurait dit un dinosaure. En coup. Oula, oula. Headshot? Oh, pas headshot. Hop là, éliminé tout simplement. Bim, coup de pied, petit coup de pied en trait, tu sais, t'as mis ta cible par terre, mais... En fait, c'est con de se mettre sur les toits, quoi. Il y a une parabole, là. C'est con, tu te mets sur le toit et tu risques de tomber à tout moment parce qu'un mec te balance un éclair. Oh, il te balance des balles d'AK-47, limite. Ça, ils ont... Vous entendez? C'est comme tout à l'heure. Oh. Je passe des signaux dans un programme de décryptage. J'ai presque percé le code. Mais une fois, non. Il me faut un autre échantillon. Regardez, toujours dans, comme ça dans les jeux, il faut toujours faire la même chose trois fois. Je vous rassure, c'est pas comme ça dans tout le jeu. Hein. Oh là là, oh là là, oh, oh j'ai l'impression que je danse. La 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 la. Bi 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 la boum. Merde, tu fais quoi là? Tiens! Voilà, excusez-moi de crier comme ça, mais. Ils sont combien sur ce toit? Qu'est-ce qu'il... Ouais, et. Qu'est-ce qu'ils m'ont montré là? Ça a bugué ou quoi? Ça c'est embêtant. Bim! Ah t'es tombé! En deux! En trois! Ah merde! Oh putain! C'est pas moi! J'ai rien fait! Mais... Ah cache-toi, Cole! Ah! Mais ils sont combien? C'est quoi cette partout ça? Désolé pour le terme, mais oh c'est quoi ça? Mais genre, oh ouais. Ça va pas avancer ça? Non. Non. Non non j'ai essayé, il me semble bien que. L'interaction avec les objets était assez limitée. Oh la pleine tête! Oh oui le chat! Hop là! Oh, oh il a explosé! Oh c'est trop bon! Et eux, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je descends en mode barbare ou j'y vais en mode fino? En mode. T'as vu ma tête? Clac clac clac! Clac 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 clac! Éliminé! Je suis un sniper! Attends, on va reprendre de la vie sur le compteur GGR là. Là! Mais t'es sérieux la pré. Ah bah c'est pour ça! Pour ça que c'est la précision plus de bon. Nye, 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 nye. Oh il a explosé. Et bim. Autre chose. Fils de. Je m'abstiendrai. Tiens et encore chute. Nos et non assistance. Je pense peut-être faire la prochaine petite mi. Elle est où la parabole? Parabole. Là. C'est Florent. Pardon. S'il regarde cette vidéo il va m'en vouloir. Oui, je pense que cette première session sera courte. C'est là, je pense avoir joué ouais, presque une heure, bientôt trois quarts d'heure. Ça devrait aller. Je transfère un algorithme de décryptage sur votre téléphone. Un algorithme de décryptage. Excuse, tu t'envoies un cheat et puis c'est tout. J'ai pas pu empêcher Kessler de faire exploser la métasphère. Ça, c'est intéressant. Ce truc a fait sauter 5 ou 6 blocs et tué Dieu sait combien de gens. J'ai trouvé la métasphère dans le cratère de l'explosion près d'un gosse. Je sais pas s'il était vivant ou mort, j'ai pas eu le temps de vérifier. Je vais essayer de me planquer quelque part. Si quelqu'un écoute ce que je raconte, il faut m'évacuer hélico. Je vous en prie. Il faut vite me faire sortir de là avant que Kessler me retrouve. Vous y comprenez quelque chose? C'est incroyable. C'est Jon. Il a dû utiliser des boîtes mortes pour communiquer avec ses contacts. Traduction. Merci. Ça veut dire qu'il doit y en avoir d'autres dans la ville. Merde. Vous devriez essayer d'en trouver le plus possible. Oh. Je retrouve John et la métasphère. Pas tombé. Ah si, je suis ah libre, c'est ça. Oh. Je connais le marché, Cole. Je vérifie. Le marché. Ah oui, le marché, je croyais que c'était le marché l'endroit. Oh, légèrement plus mauvaise. Oh là là. De toute façon, ça va être comme ça dans tout le jeu, je vais finir en mode trop dark. À la fin du jeu, je suis Dark Vador, moi, de toute façon. Ah, je ferai une petite dédicace à la fin de la vidéo qui plaira. À mon camarade de classe. Oh, une bouteille qui se vide, oh là là. Oh putain. Ils sont partout ces mecs là. Moi j'ai pas une portée infinie. Ah si. Enfin non mais... Je l'ai quoi. Allez montre-toi, montre. Bim, explosion.
Allez, dis... Mais ta gueule, toi. Tu me laisses parler deux secondes. Là, ça marche moins bien, si je peux pas... Attends, il y a une boucle bleue. Oui, je vous dis, les boucles bleues, je vais pas en manquer. Si, je vais en manquer quelques-unes, parce que... Oh, oui. Enfin, bref, Ok, je vais pas tarder à finir cette vidéo. Je sais pas si je fais la prochaine... Non, je vais pas faire la prochaine petite quête, là. Je vais me balader juste le temps de... Elles sont loin. Je sais pas où elles sont loin. On va essayer de trouver une autre parabole. Une parabole et une boucle bleue. Ça va être le challenge. Ta gueule, toi. D'accord. Et comment dire. Comme ça, ça me laissera l'occasion de faire une vie. Oh, la télé. Désolé. Des centaines de civils ont été abattus par ces gros fâcheux flics et ces sales pourritures du CDC. Je colle pas trop à télé, ça. Des innocents qui voulaient juste vivre et des antidotes, tous massacrés de sang-froid. Il veut lui foutre un coup de boule, c'est. Je peux pas. Non, je peux pas. Oh, c'est le coup de boule. Oh ouais, dans le combo, bam. Attends, parce que là, je suis pas caché. Voilà, je suis caché derrière un monde, tu peux rien. Du coup, j'ai pas entendu la suite. Quand il y a cette courte session, je sais pas si j'ai une plongée d'un coup. On verra bien, ce sera un mystère. Vous, il y aura aucun mystère là-dessus, vous le verrez bien. Si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé là pour que je parle comme ça, je vous dirai pas. Je pense. Là, je récupère cette parabole et je te tue, toi, parce que tu sers strictement à rien, d'accord. Voilà. Escalade. Comme ça, cette courte session, parce que si. Elle est où la parabole? Je pensais qu'elle serait là. Là, ok. Cette courte session me permettra de vous juger, de me dire si vous, ça vous plaît ou pas, des petites remarques au niveau de ma façon de jouer, de parler, si je vous notez, je vous fais le jeu sans parler. Enfin enlevé le sac, si je parle pas assez, vous dites. Il devait mesurer 2m15 et peser 180 kg. Patron, quoi. Il m'a dit qu'il allait me donner une raclée et que si je voulais qu'il arrête, je devais le demander mentalement avec mon esprit. Bleu. Et il m'a frappé au visage. Ces histoires de paraboles, je vous jure, je vais toutes les récupérer. Par contre, je veux trop savoir ce qui se passe exactement. Il a un peu pété le bâtiment là. Je dis ça, il fait la gueule. On va chercher une dernière parabole pour la route, histoire de vous mettre du suspense à fond. Peut-être que vous aussi voudrez savoir ce qui se passe. Bim, allez, tranquillou, je fais des roulades sur une toute pente sans tomber. 1-1-1. C'est par où? C'est par là, à gauche, devant. Je teste un truc, il me semble que. Ah ah ah, 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 ah. Là, bim, il est tombé vers moi. Ouais. Vous avez entendu une musique trop. Côté obscur. Hein. Trop en mode. Oh non, non. De toute façon, ça va faire 3 fois que je le dis, ça sera. Ça sera sûrement une remarque. Et comme ça, on va atteindre l'heure de vidéo pour la première session. Ce sera déjà bien. Je pourrais jamais faire de vraiment très longue session. Oula, tu te calmes. Mais il est où? Il est là. Allez, tiens. Je sais pas viser. Allez, explose. Tiens, il a pas explosé, mais j'ai mis une tête. Où en étais-je? C'est sur le bâtiment d'en face. Je pense. Non, c'est juste là. On va attendre que je finisse ma phrase. On récupère ça. Et je vous dirai au revoir. Bonsoir, bonne nuit. Enfin, attends, on nettoie la zone. On se fait des XP au passage. Aïe, aïe. Oh, on va se cacher en fait. Non, cacher, juste cacher. Voilà. Eh, il veut pas se cacher derrière ça. Voilà le petit saut, voilà. On va écouter cette dernière source d'info de la part de John. Hein, parce que John, de toute façon, c'est celui qu'on doit sauver, je crois. Il me semble, hein, ce que j'ai compris. De toute façon, il y aura d'autres choses hein, qui vont s'inscrire. S'incruster dans l'histoire. Ah, la misère que ça va être pour découper cette vidéo. On va... J'attends votre part. Pas forcément d'apprécier cette vidéo, ça c'est... Je peux pas vous obliger, mais... De me faire des remarques, de dire ce que vous pensez, si vous appréciez, si vous en voulez plus, j'espère bien, parce que je suis parti pour en faire plus. Attends, est-ce que si je prends tout, normalement, c'est un bagarre. Oh, je leur démarre. Excusez-moi. Je leur ai éteint. Bref, excusez-moi, je suis maniaque, j'aime pas que ça bouge. Voilà, et si là je prends, si j'éteins la lumière. Je me laisse distraire pendant ce jeu, mais c'est en même temps le principe. J'attends un maximum de remarques de votre part. On va écouter une dernière chose que John aura à nous dire. Putain, mais il va y avoir plein des boîtes noires. C'est des boîtes noires, non, des boîtes mortes. J'ai pas lu.
Je suis sorti de l'infirmerie. La première mission est d'installer et de configurer des émetteurs satellites dans Beer City. Quand j'ai demandé ce qu'ils voulaient faire des émetteurs, on m'a dit de m'occuper de mes affaires. Les émetteurs étant assez isolés et sécurisés, je les utiliserai pour mes rapports. D'accord. J'ai pas compris. Il y avait une boule bleue. Il y avait une boule bleue. Je prends un boule bleu et je m'en vais. Là Nya. Bon, sur ce, les gens, j'espère que vous aurez bien... L'autruche. J'espère que vous aurez bien apprécié. Et sur ce, petite dédicace à Kiki. Power Unlimited Power. Je vais mourir. Je vais mourir, il est où? Qu'est-ce qu'il fout là-dessus? Power Unlimited Power. Et je le fais très mal, mais c'est... Juste, j'espère que ça l'aura fait rire. Ou peut-être qu'il aura pitié de moi alors qu'il m'aime bien. Sur ce, les gens, je vous dis... Attends, je me cale, histoire de bien pouvoir tout caler sur l'ordi. Je vous dis adieu. Adieu, non. À la prochaine. Allez, bisous tout le monde.